on se retrouve pour une vidéo avec les trois osios que vous allez voir ou que vous avez déjà vu dans la vidéo Sanix Family. Je sais pas si je la sors celle-là avant ou Sanix Family avant, je sais pas. Et j'ai inventé un jeu. Je sais pas s'il est compréhensible. J'ai galéré. Pendant une heure, on était tous là. C'est le papier où j'ai inventé le jeu. Et on va jouer à ce jeu. D'abord, il y aura une partie d'explication. Et ensuite, il y aura une partie... Il y aura une partie sérieuse. Où on va vraiment, tu vois, etc. Donc, c'était une nouvelle vidéo. Je sais pas comment on pourrait... Faudrait trouver un nom. Hein. Vous voulez mettre quoi comme nom à ce jeu? Canon. Ah oui. Mais... Canon? Vous voulez mettre quoi comme jeu? Comme nom? Parce que là... Les Mayals. Genre en mode... Il y a une personne qui sera le prisonnier. Il y en a un qui sera le capitaine. Il y en a un qui sera le voleur. Et il y en a un qui sera le gardien du trésor. Quand on a fini de prendre nos avions, voilà. Quand on a pris nos avions, on va chacun aller prendre nos affaires en discrétion, bien évidemment. Et le voleur, il aura des lunettes noires. Il y a le trésor. Je vous fais une petite... C'est marqué. C'est le fils, hein. Mais tu vois, c'est marqué One Piece. Oh my god! Le voleur va devoir voler le trésor de la main du gardien. Et le capitaine, il va devoir prendre le trésor du gardien. Mais il va aller le déposer dedans. Bref, c'est compliqué, les amis. Je ne pourrais pas vous expliquer comme ça, parler beaucoup et tout. C'est trop d'explications, blabla. Donc, on va aller au parc. On va se préparer, mettre les petites affaires et ensuite on se retrouve dans le parc et là la game de chauffe où vous aurez exactement toutes les explications avec les images parce qu'il y aura deux caméras. Donc vous voyez là-bas là, là, là là là, il y a le frisbee violet, orange, violet j'allais dire. Et donc faudra là-bas déposer le trésor. Et celui qui réussit à déposer le trésor sur le frisbee, il a gagné. Ça, c'est celui qui gagne, vous avez compris. Le trésor, il est posé ici. Donc, la personne qui aura pioché le trésor, elle ira le prendre. Ok? Je vais lancer les petits avions. Et ensuite, on va chacun de nous aller attraper l'avion. Par exemple, là, il y a trésor. Même si c'est mal écrit, hein. J'ai pas fait d'effort, mais tant pis. Et du coup, le trésor, si tu attrapes ça, tu vas devoir aller chercher le trésor qui est là-bas. Donc, je vais lancer. Par contre, si ça passe, hein. Ok. C'était un mauvais lancer, mais tant pis. C'est pas grave. On va faire ça maintenant. Oui. On va essayer de faire un joli saut. Donc, allez chercher chacun un de vos trucs. Et vous n'avez pas le droit de dire ce que vous êtes, hein. Le capitaine, il se met là-bas. Je sais pas si on le voit. Sur les bancs? Sur le truc carré blanc, là. Le truc là-bas, là. Où il a... on fait du ping-pong? Non, encore derrière. Ah, le truc comme le but, là? Oui, le but blanc, là. Donc, tout le monde a leur rôle? Oui. Alors, allez chercher vos affaires. Et ensuite... Le trésor, il va tout de suite se cacher dans la forêt qui est là. Le voleur, il prend quoi? Les lunettes. Ouais. Les lunettes. Le trésor, il prend quoi? Il prend le trésor. Le trésor qui est là-bas. Ouais. Le capitaine, il va où? Là-bas. Le prisonnier, il va où? Le prisonnier sur la 16. Oh, mais le capitaine, il prend quoi? Le capitaine, il prend rien du tout. Il s'assoit et il attend. Il attend d'entendre le bruit du... Il y a une araignée. Non, une guêpe. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais c'est parti! Donc moi je suis le voleur. Donc je vais devoir aller chercher la veste jaune. Et je vais aller libérer le prisonnier. Et à nous deux, on va devoir aller chercher le trésor. Le prendre et ensuite le déposer
sur le frisbee orange. Cette fois-ci, je me suis pas trompée. Et faut faire tout ça avant le capitaine. Donc, wesh. Ensuite, je vais aller la donner au prisonnier. Tiens, mets ça sur toi. Ensuite, vite, vite. On va aller chercher le. On va aller chercher le prisonnier. Non, on va chercher le trésor. Je me suis trompée. Les gars, c'est la première game des choses. J'espère que vous avez compris. Ça a été un peu compliqué à mettre en place. Avant, il y avait une T'avais vu Taylor? Là-bas. Ok. Du coup, moi aussi, je vais chercher de mon côté. Oh, il y a des mouches. Il y a trop d'affect. China. Ok. Elle arrive. Elle est où? Là. Taylor, tu dois crier. Sinon, Clifford, il t'entend pas. Okay. China, vite, on doit l'attraper. Je suis déjà fatiguée, les gars. Allez. Non, t'auras pas. Tiens. Tu vois, il a le droit de me redonner. Tiens. Bon, game de chauffe, nous sommes tous épuisés. C'est pas comme ça que nous allons réussir. Et le perdant, il va devoir être trempé de la tête aux pieds. Ouais. Avec une bouteille d'eau. Ouais. Vous allez devoir courir. Encore. De part. Oh. 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 Ah, vous voyez que mon cul là. Vite. Oh. Oh. Non. Taina, attrape-le. Lâche-le. Allez. Et descend. Allez. C'est bon. Ah, j'ai plutôt de te mouiller. Bon, regardez. Le trésor, c'est nous. Même s'il est cassé et ouvert, je pense que même le cadeau qui est à l'intérieur, il est perdu. J'ai perdu. Vas-y, mais... Allez, les perdants. Viens, Clifford. Allez. C'est la game de chauffe. Non. Ouais, mais là, quand même. J'ai plus un 2. Oh. Regardez. Montre un peu ton état. Et le dos. Non. Ouais, t'es... Toi, vraiment, tu viens de sortir de la guerre, là. Mais toi, tu... Ah. Alors, ça fait quoi de perdre? Rien. Pourquoi tu esquives? Viens là. Non. Faut que tu sois bien mouillé. C'est bon, je suis mouillé. Je sais pas si vous avez bien compris. La game de chauffe. Ouais, c'est bien en fait. Ton jeu que t'as inventé. Bah ouais, mon jeu que j'ai inventé. Même si c'est compliqué. J'en ai compris. On se dit, là, c'est la vraie game sérieux. Round numéro 2. Attends. Oh, on n'a pas fait le reveal. Bref. Je viens de remarquer que dans cette caméra-là, vu que vous étiez trop à fond en train de courir et tout, bah vous n'avez pas filmé les visages et tout. Vous avez juste filmé vos pieds en train de courir. On va dire le round 1, c'était des chauffes pour la caméra. Et en plus... pour le jeu, pour que vous expliquiez. Du coup là je vais poser la caméra sur un angle où vous pourrez voir toutes les scènes. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à jouer aussi avec vos frères et sœurs si vous êtes une famille nombreuse, comme celle-là. Si vous voulez des règles, moi je les marquerai en description de toute façon. Mais n'oubliez pas de me mentionner en mode « Ouais, il est trop bien ton jeu, Sanix et tout. » C'est un jeu débutant encore. Donc, il n'est pas à sa toute finale. Je peux l'améliorer dans une partie 2, peut-être, si ça vous plaît. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. Et faites que ce jeu devienne viral.
que Sanix, aujourd'hui, elle ait inventé un jeu qui rentre dans l'histoire. Sanix, c'est bon. Sanix, qu'est-ce qu'il y a, Blue? On va prendre une carte. Ouais. Prenez vos cartes et allez vous cacher si vous voulez. Je vais mettre la caméra. La partie commence. Oh, attendez, est-ce que je suis prisonnier? Mais on peut me dire, je rentre pas dans la chaise là. Attendez, je suis en prison. Je suis prisonnier. J'aurais besoin d'être libéré. Non mais, regardez-moi cette dégaine. C'est comme ça que tu délivres quelqu'un? Allez, viens. Attends, je suis coincée. Je suis fatiguée. Je vais faire l'autre tour. Hein. Parce que je suis flemmarde. Hein. Bon. Je vais devoir... Oh non, hors de question, je rentre. Il y a des papiers bizarres et tout. On dirait des toilettes de la nature. Oh là là. Elle est trop bien cachée. Je l'ai trouvé! Tu parles! Oh là là, mais ils sont rapides ces jeunes. Hein. Je me fais toute vieille moi. Je suis fatiguée. Mes seins sont trop grands pour que je cours. Hein. J'ai une excuse. C'est quoi vous, j'en ai marre. Je vais vous déposer. Parce que c'est pas pratique. Ah, pire, que ça me dégoûte. Il y a un nid de bêtes. Ok, là, il faut que j'arrive à faire. Alors, je vous pêche par là. Je sais que de l'autre côté. Père. Non. Yes. Tiens. Ah. On a perdu. Je ne veux pas être sur une défaite. On recommence, je m'en fous. T'as perdu. T'as perdu, alors on doit être mouillé. Ouais, je vais y aller chercher. Tu penses, toi aussi encore mouillé, hein. Ça fait la deuxième fois. Regardez. Elle va se faire mouiller. C'est bon, là, ça y est. Ah. Wow. T'as cherché là. C'est quoi ça? Tu veux me tuer? L'eau ça tue pas. Si, voilà. Si tu te noies avec. Bah ouais. Ouais bon bah. On a perdu. Oh là là, vous êtes drôlement bas vous. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit. On se dit à la prochaine. C'était petite vidéo entre fratrie. La Sanix fratrie. Ça passe ça? La Sanix fraternité. La Sanix. Sanix Family. Ouais, mais là, il n'y a pas ma mère. La Sanix. Je sais pas comment on appelle ça. Je vais trouver dans le titre. La Sanix de Drou. C'est quoi ça? La Sanix de Chambre. Alors, les amis, à plus tard. Oh, en fait, le trésor. Théphore, tu nous le lis et tu nous le montres. Je sais pas très lire bien. Tu sais pas très lire bien? J'ai pas le nom. Ton écriture en fait. Alors le cadeau, c'était ça. Genre en mode, vous êtes fait avoir. Bonne dénaise. Au revoir les amis. La semaine prochaine ou dans quelques jours les Onyx. Blablabla.